Bientôt sur TV5 Monde où nous sommes au stade Amahoro de Kigali, un stade bondé pour vivre la 6e édition du Tour cycliste international du Rwanda. Durant 8 jours, nous vous ferons vivre de l'intérieur la course, mais nous vous ferons également découvrir le Rwanda comme vous ne l'avez jamais vu. Une 6e édition qui démarre avec un prologue. Ils sont 62 coureurs, 62 pour le départ de ce Tour 2014. Cette année, 10 nationalités s'affrontent pour arracher le maillot jaune. Un maillot jaune remporté l'année dernière par le Sud-Africain Dylan Gerdoston, absent. Accompagné du président de la Fédération rwandaise, Aimable Bayingana, c'est le maire de Kigali, Fidèle Ndayisaba, qui donne le coup d'envoi de ce prologue. C'est ainsi que s'élance en premier le Burundais Tarsis Ndayisenga devant un public venu nombreux et qui avait déjà pris d'assaut le stade Amahoro. Les Rwandais ne voulaient surtout pas rater les moments privilégiés avec leurs coureurs qui n'ont rien laissé au hasard cette année, à l'instar de Nathan Bouikisenge, très assidu sur son home trainer, un échauffement qui attise bien des curieux. Oui, les coureurs rwandais ont décidé d'être à un niveau optimal dès la première journée de ce prologue de 3 500 km. D'ailleurs, les supporters rwandais ont décidé d'immortaliser cet événement international qui finalement n'a lieu que tous les ans. Justement, quelques minutes plus tard, c'est Nathan Bouikisenge, l'un des coureurs les plus aguerris de l'équipe nationale rwandaise, qui s'élance. Mais un Rwandais performant peut en cacher un autre encore plus performant. Bonne aventure, Uvuzu Imana, celui qui avait fait sensation au dernier tour du Gabon. En remportant une étape devant des professionnels, semble mieux, devant un public acquis à sa cause, qui le pousse. Le coureur rwandais de 21 ans va réaliser une belle performance. 4 minutes 08, dès cet instant, il est premier. S'élance alors Hamid Mohamed Errafaï. Le Marocain, qui est l'un des spécialistes de l'épreuve, ne semble pas très en forme. Une petite déception pour le clan marocain. Avec cette contre-performance, il termine 17e. Si chez certains, ce n'est pas ça, chez les Rwandais, ça y va. Jean Bosco Nzegimana part en trombe. Les Rwandais ont décidé de faire de ce prologue le leur. Nzegimana grignote du temps au premier. Il assure un beau 4 minutes 07. Le Rwanda est pour l'instant en tête. L'Éthiopie peut-elle jouer les troubles faites? La réponse sera non, malgré les efforts de Getachew Atzba, pourtant l'un des favoris du jour. Il finira 22e. Et voilà le festival rwandais qui reprend, avec cette fois-ci Valens Ndayisenga, qui va encore faire mieux que Nguessimana avec un chrono de 4 minutes 06. Et les deux favoris au titre de meilleur africain de l'année 2014 n'y changeront rien. Mekseb Debeze ne fera pas mieux. Pas mieux non plus le meilleur africain virtuel de l'année, le Marocain Mousine Lazini. Rappelons que durant ce tour du Rwanda se joue aussi pour ces deux hommes le titre de meilleur africain UCI de l'année. Et voilà l'homme qui était attendu, et pour cause, il avait remporté le prologue l'année dernière. Janvier Adi a tenu son rang puisqu'il fait encore mieux que tous les autres. Le coureur de 23 ans est en forme, lui qui a remporté aux États-Unis Las Campanas Santa Fe Circuit Race, réalise ici à Kigali, chez lui, un chrono de 4 minutes 04. Mais attention, il reste un homme également favori, le Sud-Africain Rohan Duplou. Chrono à battre, 4 minutes 04. Va-t-il pouvoir s'imposer sur le podium? Rien n'y fait, le Sud-Africain réalise 4-08. Énorme sensation ici avec les Rwandais qui ont dominé ce prologue. Janvier Adi remporte donc ce contre-la-montre. Et endosse ainsi, comme l'année dernière, le premier, le maillot jaune. Dans les 5 premiers, 4 sont rwandais. Le Sud-Africain Rohan Duplou est 5e.
Magnifique victoire donc pour le Rwanda qui démarre bien cette sixième édition. Alors avant de nous quitter, grand bol d'air dans de ces lieux uniques au Rwanda, un de ces lieux qui sublime la nature. Le parc national de la Kagera a été créé en 1934. Le parc national de la Kagera, situé au nord-est du Rwanda, un parc de 1100 km² créé pour protéger les animaux de la savane, des montagnes et des marais. Une spécificité de ce parc, les multiples espèces d'antilopes, dont les impalas. Les impalas, il est en train de faire la gueule. Lui ne peut perdre une corne. Celui qui a échoué va aller dans le groupe des mâles. De nombreuses espèces différentes cohabitent ainsi dans ce lieu, dont des girafes qui ont été introduites petit à petit dans le parc. Ils sont venus en 1985. Ils étaient au nombre de 6. Maintenant, nous avons 120, au-delà de 120 girafes. Et comme pour rappeler qu'il n'est pas qu'un simple gardien, Emmanuel connaît tous ses pensionnaires. Par cœur. Chaque zèbre avait à son propre dessin de couleurs. C'est comme les apprentis digitales.